Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo vous allez voir, j'ai emmené un pote à moi qui commençait la pêche au leurre. Voilà, il pêchait un peu toutes les techniques avant. Et là il s'est vraiment consacré à la pêche au leurre. Donc voilà, c'était sa première, sa deuxième session avec moi. Et donc là il a fait son premier poisson, en plus un joli bar, donc ça c'est cool. Si vous m'entendez gueuler et m'emporter dans la vidéo, c'est que je croyais que le bar était beaucoup plus gros que ça. Et en fait quand je l'ai mesuré, voilà, ça, j'ai trouvé qu'il était petit. Donc voilà. Voilà, donc c'est l'explication pourquoi je gueule. Mais sinon, voilà, bien joué Apple pour son premier bar. Et voilà, il en a refait. Vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui vont arriver pendant cet été. Allez, je vous dis une bonne vidéo, les amis. Poisson! Eh, Black Minnow, c'est instantané. Bon, il est vraiment tout petit. Ah, c'est un macro, putain. Ah non, non, c'est un bar. Oh, la chatte! Il vient de se décrocher. Regarde, t'es mal l'heure. Il s'est décroché juste au moment où j'ai mis dans l'épuisette. La chance. Allez. Ouais, un petit. 30. Allez là. Putain. Voilà. Tu barres. Ouais, c'est bon. Allez. Hop. T'as vu? Tu pars archi vite. Ah, nickel. Et putain, au moment où je l'ai mis dans l'épuisette, il s'est décroché. La chance que j'ai eue. A mon avis, t'en mets-toi à ma gauche, je suis droitier. Et Théma, ça part tout seul. Bon, t'es en nylon, ça va pas partir très loin, mais bon. Voilà. Tu vois? Là, tu laisses couler. Attends, je vais faire vite fait une animation avec ta canne pour voir. Là, tu vois, ton fil, il se tend tout seul, là. Ouais. Toujours un doigt sur le sion, là. Comme ça, dès que t'as une touche, tu le sens. Tu vas voir, regarde bien le fil, dès que je vais être au fond, ça va être flagrant, le fil il va se détendre d'un coup. Voilà, là je suis au fond là. Il s'est détendu à mort, tu vois. Là tu moulines comme ça. Hop, et là t'arrêtes de mouliner. Tu laisses redescendre. T'attends que ça touche pas. De quoi? Ouais, t'attends que ça retouche le fond. Tu vas voir ton fil se détendre, voilà, il se redétend, hop. Tu moulines. Et souvent, c'est pendant. Oh là, j'ai une tape là. Et là, tu vois, j'ai un poisson. Et tu vois. Attends, vas-y. Tu veux le combattre? Non. Bah, tu vois, ça c'est. Tu vois la tape type. J'allais dire justement. J'allais dire, tu vois, ils attaquent à la descente. Ouais, bah oui, ça. Putain, il est costaud. Sa mère. Putain, t'es mal les coups de tête. Regarde ta canne qu'on m'a appelé. Ouais, c'est un bar. Putain, elle est. Je l'ai harponné. Je l'ai harponné. Ah non, j'ai chopé dans les algues. Un bar. Il est costaud. Voilà. Bon bah, démonstration. Au moins, je te raconte pas des conneries, tu vois. Au moins, je te raconte pas des conneries. Ah bah, il vient de se décrocher tout seul. Impeccable. Merde. Yo, bon, allez. Bon bah, c'est mort. Bon bah, au moins, la démonstration a fonctionné, tu vois. Oh, bien joué, bien joué. Super ça. Maintiens-le comme ça, nickel. Ouais, nickel. Alors tu vas. Quoi? Bah oui, c'est un poisson. Alors bouge pas. Il est chaud. Oh, il est costaud. Wow, t'es archi gros, mec. Wow, c'est un monstre, mec. Wow, t'es mal parfois, mec. T'es mal parfois, mec.
La chance du débutant. J'estime à 50. Nickel. J'estime à 50. 48. C'est pas en premier bar, mon gars. Bien joué. 48. Alors, tu sais comment le tenir? Tu tiens fermement parce qu'il va se débattre. Tu tiens fermement. Tu mets ton doigt là. Ouais, vas-y. Alors, tu tiens fermement. Avant de le lever, tu le maintiens bien. Voilà. Voilà, nickel. Allez. Bien joué. C'est bon, ça. Pour un premier bar. Et la chance du débutant, ça existe vraiment. C'est un truc de ouf. Hein. 48 pour un premier bar, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas dégueu.